Et salut à tous, et bienvenue au bord du bazar pour une nouvelle aventure dans Baldur's Gate 3 et notre épisode 11, où Astarion a eu un peu mal au cul la dernière fois. Pas que lui. Mais pas que. Et comme vous l'avez entendu, je suis accompagné de Shaolan. Salut. Salut tout le monde, salut Klaars. Ah, tu t'es pas encore remis de cette... Fessée ? Non. Défaite ? Non. Ce câlin qu'ils nous ont fait. Câlin à la barbare. Hein. Pas vraiment, non. On reviendra câliner en retour quand on sera un peu plus costaud. C'est ce que j'allais dire. Nous reviendrons. Tudum. Ah là là. Du coup, dans quelle direction est-ce qu'on va ? Moi je propose déjà de dire bonjour au monsieur là, hein. Parce que toi il t'aime peut-être pas, mais... Attends, c'était qui avait déclenché le combat déjà la dernière fois ? Comment est-ce qu'on l'avait déclenché ? Bonne question. T'avais pas essayé de voler la meuf ? Je crois, c'est possible. Mmh. Donc moi il est possible qu'il m'aime un peu plus ? Donc je vais lui dire bonjour, et puis sinon, 200 pièces d'or pour Rez Gale. On est encore en mode tour par tour. Oui, mais il a apporté de blabla. D'accord. Our scouts told us you'd come. The devil's ally. Come to finish us, have you? Non. Encore là, qui est fatigué, j'essaie de m'en tenir, votre sujet, tout dépend de vous. 1, 2, tout juste. Ouah, tout dépend de vous. Dois-je jouer ou non croire ce qu'elle m'a raconté à votre sujet ? I'm sure she's invented a fascinating history of our crimes. The truth is far simpler. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. Karlak. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family. We were lucky to survive our encounter with her. Oh, quel dommage. Bon, partant du principe que je vous crois, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Then you'd be very stupid indeed. Poor Karlak, allied with the first sap she met, who will be so quickly destroyed. Zariel will find this all terribly funny. Ouais. Bouclier. Alors moi, je ne suis pas en combat actuellement. Bah, je vais essayer de fuir. va peut-être te planquer au camp. Ah oui, mais attends. Ouh, ça sent quand même mauvais, parce que si j'arrive pas à fuir correctement... Attends, est-ce que la Isel peut fuir, non? Bon, déjà, comment on court? Oui, parce que là, vu qu'il a clairement annoncé son envie de nous tuer... Mmh. Il est un peu... Bah je crois pas qu'il puisse t'atteindre vu qu'il y a de la flotte entre toi et lui. Donc oui. Sourcy, s'il veut t'attraper... Ah, ok, je suis dans le combat maintenant. Je t'avais dit de te planquer. Oui, mais... Voilà. Là, Isel a fui. Oui, je veux dire, c'est qu'une fois qu'on reviendra dans le monde normal, on va dire ça comme ça, on risque de... Il risque de nous agresser à vue, voilà. Alors je peux fuir le combat avec mes persos. Parce que j'étais juste à la limite. Est-ce que je peux encore foncer? Ah oui, parfait. Je sais pas si je pourrais fuir tout de suite. Non, je suis seulement à 22,6 au lieu de 27. Il me semblait que c'était 25 la dernière fois, non? C'est le 27 ? Il me semble. Ok. Bon, de toute façon, fin de tour.
Ok, parfait. Fuyez, pauvre fou. Ouais, ils vont peut-être pas plus loin que la rivière. Ok, là, Isel a repris sa position, là-bas dans le camp. Ouais, et moi je vais me lancer l'armure d'Agathys, comme ça si jamais il y a un combat, au moins ça c'est fait. 5 PV temporaires et tous ceux qui me tapent au cac qui se prennent 5 de dégâts de froid. D'accord. C'est un sort de concentration ou... Non. Bizarrement non. Et ça a pas de durée. Jusqu'au prochain long repos. Ouais. Donc ça a pas de durée. Oui. Ah oui, la flétrisse. Et là, c'est quoi? Entrée grotte. Ah, d'accord, c'est ma note. Ok, bon, bah retournons au... dans le monde réel. C'est le camp. Voilà. Sortons de la matrice. Ils sont où? Ils sont là. Eh, mais attends, vu qu'ils arrivent pas à nous attaquer... On peut leur tirer dessus jusqu'à l'infini. Je sais pas. Alors, Gale, Astarion et Shao ont des attaques à distance. Bon, ah ouais, c'est vrai que les ailes à l'arc aussi. Mm-hmm. Bah, ça peut se tenter. Ouais, non, ça va être long et pas forcément intéressant. Mais ça peut marcher. Mais ça peut marcher. Par contre, on ne peut plus passer à proximité de eux pour aller rejoindre l'autre côté du pont. Donc il va falloir qu'on continue. Traquer la diablesse, tuer les sbires. Tuer les sbires, tuer les sbires. Ouais. Bah, on peut revenir en arrière aussi, vu que là aussi on avait un pont. Et, oui, oui. Et de ce que je vois, qu'on revienne en arrière sur la gauche ou qu'on reste là sur la droite de ce côté de la rivière, ça revient au même, ça a l'air de se rejoindre. Ouais. Bon, de toute façon, il faut qu'on redescende. Attends, elle est où ma carte? Ok. Elle est là, au sud. Là, on est au-dessus de la grotte où il y avait les bourses. Ah, une bouchée de roublard. Et un sanglier exsangue. Oh. Non, je ramasse des champignons. Ouais. Là aussi, bouchée de roublard 2 et de l'armoise. Et 60 d'XP. Oh. Perception réussie. Ouais, il y avait. J'ai été attiré par du miel et il y a une crevasse rocailleuse. Ouais, je vois ça. Perhaps if there were considerably less of me. Ah, on n'était pas déjà passé par là? Non. Not a chance. I'll fit in there. That thing is small. Ah oui. Oh, il y a plein de trucs à ramasser. Ah tiens, à propos minuscule, faut que j'appelle mon familier et que je me lance communication. Ah non, communication avec les animaux, c'est déjà fait. Appel de familier, mon araignée. Elle passera peut-être. T'avais déjà essayé quand on avait eu... une trappe. Un truc suffisamment petit. Ah, par contre, ma main peut peut-être passer. Oui, vu que la dernière fois, elle avait réussi. On va savoir pourquoi. Attends, j'ai juste vu qu'il y avait une... de l'herbe. Is that blood? Voilà. No. Never mind. Je reviens... Main de mage, et ça nécessite un court repos. Allez-y. Mais non, pas toi. Ouais, elle rentre. Alors... Ah. Okay. Ah, bah c'est la grotte de Libour, tout simplement. Super. Tout ça pour ça.
de ce que j'allais dire. Bon. Bah, elle a plus qu'à se révoquer, cette bestiole. Elle a une... Ah ouais, c'est vrai que ça a une durée illimitée, ce truc. Oui. 10 rounds. With haste. Communiquer avec les morts. Strange. It looks healthy, but it's stone dead. Est-ce qu'il y a un... It's dead. Let's go. Viande de porc exempt, provisions de camp 5. Cache de chasseur, rien. The pig's dead, my friend. Ah, oups, discussion. C'est ce que je veux. Come on. Ah. We'll never fix these brainworms if we stop and gawk at every piece of carrion you find. Alors, médecine. Try it. Oula. Oula. bug graphique. D'accord, moi je n'ai rien à l'écran. Enfin. D'accord, bon. Je vais faire mon jet. Je me buff. Mm-hmm. Ok, difficulté 10. Donc il me faut. Ça veut dire 7. Ouais, 7 minimum. Ah, ça passe. Oh putain. De justesse. Oui. The boar seems to be fresh, only a few hours dead. Examining the corpse, you see. Superbe cadrage. Ouais, ah ok, donc c'est pas que moi. Is it dead enough for you? Est-ce qu'il a pas été sucé par un vampire? Alors, persuasion, ces marques sont vraiment étranges, les reconnaissez-vous? Intimidation, vous savez quelque chose à ce sujet, n'est-ce pas? Oui, mm-hmm. Allons-y. Ah! Je sais pas. Parce que moi je dis que ça vient d'un vampire. Oui. Et il me semble qu'il soit quelque peu vampirique. Ou alors c'est son maître. Son ancien maître. Mais bon. Après, il a, il a pas trop l'air de vouloir pousser, donc si moi je pousse, il va peut-être pas aimer. Moi, je veux savoir. Bon, père, tenter la persuasion. J'allais dire sinon, c'est moi qui réessaye, et puis on verra ce que ça donne. Zéro. Non, ça passe. Oh, t'as de nouveau fait 4 sur l'assistance. It's been drained of blood with wounds in its neck. It's been killed by a vampire. I didn't want to say anything because I didn't want to worry you. They are ferocious creatures. But don't worry. I'll keep watch tonight. We won't have to worry about nocturnal visitors. Now please, let's go. Ah, je peux pas lancer communication avec les morts. Ah, une cage de chasseur, mais y'a rien. Oui, c'est ce que j'ai. Pendant que tu fouillais le sanglier, je fouillais ça. Et des gobelets et des aventuriers morts ici. Mmh. Alors, Astarion, tu vas avancer pour faire ta perception. Ah ? Ouais, dans le vaincre les gobelins, complète. Trois silhouettes étaient griffonnées sur le dessin que nous avons trouvé. Les gobelins doivent avoir plusieurs chefs. Ah. Alors Astarion réussit, et apparemment il a détecté des gobelins. Ah. Ok. Ah ouais, il y a un champ de vision quand il se met en furtif. Mm. Ah oui. Ah. Ah ouais, il y a... Ouh, la caméra est... C'est vraiment à la limite, il y a un gobelin sur un toit ici. Bah là, moi j'en vois déjà trois des gobelins. Ah. Ah oui, maintenant j'ai une meilleure caméra. Bouillag, goblin, pisteur, niveau 1 et 2 pour l'instant. Donc ça va, on doit pouvoir gérer. Niveau 2, œil de lynx.
Tiens, en revenant en arrière, il y a peut-être moyen de contourner. Il y a une espèce de portion de mur qui a l'air cassée. On peut peut-être passer par là. Là? Oui. Il y a des lianes. Oui, c'est ce que je disais. Il y a des racines, il y a un morceau de mur cassé. Il y en avait quoi? Il y en avait deux sur toi, c'est ça? J'ai l'impression. Plus un sur le toit d'en face. Et celui d'en face, on le voit plus pour l'instant. The path less traveled. Pire. On peut monter un petit peu ici. Il y aura peut-être un point de vue. Non. Et d'ici. Oula. Ouh, c'est bugué. Oulala. Bon, bon, au moins j'ai ton point de vue, mais s'il y a des bugs, je ne les vois pas. Oui, bah c'était quelque peu bugué. D'accord. Ouais. Bon. Gale va pas s'avancer plus que ça. Bah je crois que Astarion, je vais le laisser s'attaquer à l'archer en bas. Non, Gale, reste, bouge pas. Et je vais faire monter Shao, vous rejoindre tous les deux. Ah, ok. Et quand on sera à peu près à portée, on se mettra en mode tour par tour avant de lancer un combat. Ok, Shao est à côté de Lazel. Attends, Astarion, faut que... Non, je fais rien. D'accord. Je regarde juste. Ouf, toile calcifiée, ok, il y a une toile d'araignée ici. Une vieille clé. Une dague. J'ignore où est ici. Dans la maison, en dessous de nous. Ah oui. Ok, et Astarion est en position derrière le pisteur. Donc on peut se mettre en mode tour par tour. Vas-y, je t'en prie. Ok. Maintenant, qui lance les hostilités? Yes, c'est quoi? Ouf, cochon. Bah je vais commencer avec Astarion. Je vais commencer avec Astarion. Ouais. Katit. Ouh, il lui reste 2 PV et c'est avec un peu de chance l'attaque sournoise va finir. Bah voilà, les 2 PV. Deux. Et du coup, ça a même pas lancé de combat vu que c'était complètement discret apparemment. Donc du coup, les deux pisteurs en haut ont pivoté. Ah. Ah, ils ont entendu du bruit mais ils se sont pas assez bougés de l'autre côté. J'ai pas eu le temps de lire, il y en a un qui a fait hé hey! Et l'autre qui a dit quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Ok. Voilà. Comment faisons-nous ensuite? Ah d'accord, il y en a encore un en face. Ouais. Ah, celui-là je le vois pas. Ah, juste là. Ah, si. Peut-être parce que tu l'as marqué, maintenant je le vois en transparent. D'accord. Ou alors peut-être que je le voyais avant en transparent, mais comme c'est justement en transparent, je n'avais pas fait gaffe. Attends, mon souffle, non, ça c'est une action. Ah, ils auraient pu en faire une action bonus, le souffle de feu, franchement. combien je fais de dégâts avec mon attaque de lacération? Ah mince, c'est vrai! C'était juste pour le test la dernière fois, je l'avais pas gardé. Quoique, vu qu'on n'est pas en combat, je peux. La pousser. Les faire tomber les deux. Ouais. Même si j'ai peur qu'ils ne tombent pas au final. Bah ils ont un test à faire. Bah à toi de voir si tu veux tester ou pas. Ouais.
Ah, ils sont trop loin l'un de l'autre, mes sorts ne touchent pas. Ou pas correctement. Ouais, allez, on va faire l'attaque la plus puissante. Ouais, il a que ça ce point de vie. Avec un peu de chance, il y passe. Allez. Zou. 22, ouais. Il y est passé. Ok, il y en a encore un deuxième en face. Ah oh, pris au piège. Ouais, Astarion. Par contre, c'est nous qui déclenchons l'embuscade, mais c'est eux qui agissent intégralement avant nous. C'est cool. Oula, la graisse. Alors, Astarion, déjà, tu vas foncer. Attends. Comment on s'éteint ? Foncer, non, c'est une action. Et sauter, faut sauter, c'est une action bonus. Je vais d'abord sauter en dehors de la graisse. Et maintenant je fonce. Là. J'aime bien, au bas de mon écran, il y avait marqué foncer sur Astarion. Mon araignée, elle va foncer aussi. Ok. Bah, Astarion, fin du tour. Il fera pas plus. Still breathing, despite everything. Du coup, il reste là le pisteur. Évidemment. Ah. 65% de chance. Ouais. Attends, je leur pousse pas avec une attaque agressive, non. À la limite, je peux le bousculer et puis tenter de le faire tomber. Mais bon, ce serait mieux que tu le tapes d'abord. Ouais, laisse-moi d'abord tenter de le taper, du coup, alors. Ouais. Death won't take me yet. Ah ouais. Attends, voir. Ah mince, je vois pas les points de vie qu'il perdrait en le poussant. Bah il lui en reste 3. Oui, je vois. Vu la hauteur, je pense que ça devrait suffire, du coup je vais pas bouffer un slot pour le châtiment. Et au pire, si j'arrive pas à le pousser, tu peux toujours essayer. Ouais. Voilà, bah un PV de plus qu'est-ce qu'il fallait. Pousse-toi de là, tu es une créature à l'aide de dégâts de chute. Ok. Du coup, bah, Shao, je vais commencer à le faire descendre d'échelle. Moi, la portée de mes sorts, elle est un peu short. Alors, sauter. Et où est-ce que partent mes sorts? Ouais, toujours pas assez loin. Ah! Mais pourquoi la cible est trop éloignée alors que là... Ah mince! Ok. Il y a le système qui est un peu foireux de prévisualisation. Possibilité de déplacement insuffisant. Ouais. Toc. Ouais. Donc ils sont trop loin pour Gale. D'accord. Bah j'ai pas d'autre action de toute façon à faire. Hein. Ah oui, bah elle non plus. J'avais oublié de finir son tour. Ouh. Aïe. Ça brûle. Heureusement que je suis résistant au feu. Tiens, glisse maintenant.
Et maintenant, je vais me reculer pour de nouveau plus à t'apporter. Ok, Shao est quasiment à l'échelle. Désavantage, pourquoi ? Cible en dehors de la portée normale. Ah, d'accord. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi ? Il y a eu un ting. Oui, je l'ai entendu aussi, mais j'ai pas fait comme s'il y avait un test. Goblours maigrichon. Non, il est toujours endormi. Hein. Je sais pas. Ouais, de toute façon, le temps qu'il va me falloir pour venir. Oh, mon araignée. Ouh, elle peut sauter loin. Oh! Ah! Elle l'a touché! Les ailes? Oui! Ok. Ouais. À 42% de chance! Et la bouilla qui est accrochée au bord du toit? Oui! Avec seulement 42% de chance et avantage. Oh! J'entends parler. Oui, c'est moi qui finis mes tours. Non, non. Ah. Ah. Là. Là. Ici. Ah ouais, il y a encore du monde. Oui. C'est eux que j'entendais discuter. Ok. Donc, Hartung. Ouais. Ah bah, j'ai pas mis fin au tour de lui, et... Mon araignée. Bon, elle aura servi de cible. Ah, la cible est trop éloignée. Alors, est-ce que avec Shao... Ah, le Gobours maigrichon, c'est... Non, il est encore endormi. Pourquoi il est dans la barre d'initiative? C'est peut-être le test, le bruit de test qu'on a quand même entendu tout à l'heure. On fait peut-être trop de bruit. Sans blague. Ah oui. Ouais, bah il s'est réveillé. Foncez, ok. Et moi, je suis descendu du bâtiment juste à ce tour-là, évidemment. Bon, je vais laisser Laisel défendre Gail. Ah ouais, ok, j'ai assez de mouvement pour attaquer l'œil de lynx gobelin. Ok. Ah ouais, ah oui, t'es là. J'espère que tu vas pas attirer le reste du monde derrière. Par contre, là, je châtiment divine. Oui, oui, oui. Ah, un bébé. Ah bah. Voilà. Pousse-toi de là. Tout simplement. Oui. Ça marche. Et apparemment les deux autres ne sont pas engagés. Bah je t'invite quand même à te déplacer pour essayer d'être au maximum hors de vue. Bah je peux redescendre. C'est quoi tout ce mouvement? Je sais pas. T'es vénère? Je sais pas. Et je n'ai plus mon armure d'Agathys. Ah, peut-être parce que j'ai tué quelqu'un, j'ai réussi des points de vie temporaire, et vu que l'autre sort, il donnait des points de vie temporaire, du coup ça a peut-être aussi annulé l'armure de glace. Ou alors ça ne marche qu'une fois. Je sais pas. At the ready. Ok. Et toi tu es là. Dans le Goblours il est là-bas. Ouais, d'ailleurs ça me fait bien chier de devoir agir avant lui. Attends, voilà. Non, la porte est fermée. Don't linger. Merde, je l'ai fait passer dans le feu. T'inquiète, j'ai fait descendre mes persos
sur l'escalier où il prenait des dégâts. Donc, on est tous les deux cons. Place un sort de graisse juste derrière la porte, je sais pas. Je l'ai pu. Ah. Vu que ça fonctionne une fois sur 10. Mmh. Je l'ai dégagé. Ah petit con. Alors j'aurai pas assez de mouvement pour venir jusqu'à toi, mais je peux peut-être l'attaquer à distance. Possibilité de déplacer. Oh mais c'est pas vrai. On va voir si je monte là. Un saut, c'est ça. May the gods take you first. Bon, que 3, mais... Ah, on a attiré autre chose dans le combat. Ah, il y a un bagarreur ici. Ah oui. Ah non, c'est une action. Ouf. Vu que Gail va devoir s'extirper. D'accord. T'as pas un sort du genre pas de brume ou quelque chose, un sort de téléportation? Non. Didacticiel de coup d'opportunité. Il m'a loupé ou il m'a touché? Non, il m'a loupé. On my way. C'est tout? Bon. Je me casse. Ouais, je vois ça. Autant que je peux. Mmh. Ah, merci. Hein? Ouais, je devrais pouvoir venir te rejoindre. Mais c'est pas vrai. Elle réussit les 40% avec malus et elle rate les 70 normaux. Oh putain. Ouais. Bon, bon. Un appel à la con. Est-ce que je tape plutôt le bagarreur qui a 7 PV ou plutôt le gobelours qui a 8 PV? Gobelours. Ah attends, je peux peut-être les cramer. Kill that shit. Je fais entre 2 et 12 points de dégâts de flamme, je peux peut-être les tuer tous les deux. Ouf. Ouais, ils sont tous les deux dans la zone. Et Lysel? Non, t'es hors de portée. J'espère. Sinon je te tape. 9 et 9. Bon bah parfait. Mm-hmm. Wouh. Sauvegarder. Ça va, ça s'est pas trop mal passé. Ça va. Ok, nous voici de retour après un petit plantage. Vous avez pas raté grand chose. On a juste refouillé les cadavres qui traînaient, looté quelques armes, et là on vient juste d'ouvrir un petit coffre. Donc vous avez par chance rien raté. Petit plantage de routine. Hein. Alors, oh, un casque de hâte. Casque magique. Début sans heurts. Au début du combat, le porteur gagne vélocité pendant 3 tours. C'est cool. Vélocité, c'est quoi? C'est pas le truc qui augmente ta vitesse? Oui, je pense, mais... Alors, toujours plus... vélocité, toujours plus vite. La vitesse de déplacement de l'entité affectée augmente de 1,5 m en fonction de la durée restante de l'effet.
supprimé quand on est entravé, hors de combat, à terre ou ralenti. Ah ouais, bah... Vu que Shao a une dextérité de merde, ce sera pour lui. Pourquoi la dextérité joue sur la vitesse? Non, mais... ouais, quoique, c'est vrai que ça change pas grand-chose, mais... Ouais, parce que là, en soi, j'aurais dit Laizel ou Shao. Ouais, un des deux, histoire de... rapprocher un peu plus... Quoique, plutôt Laizel, parce qu'avec ma hallebarde, j'ai une plus grande portée d'attaque, donc... ça compense un peu, donc ouais, je vais le donner à Laizel. Et du coup, j'ai même pas lu ce que... Vu que t'as tout pris, j'ai même pas fait gaffe à ce qu'il y avait encore dans le coffre. Il y avait un peu d'or, une flèche que j'ai envoyée à Astarion, et le dernier objet que j'ai laissé. Ok. Laizel, à quoi tu ressembles avec ton casque? Ouf. Je sais pas si tu le garderas longtemps. C'était quoi la flèche? Merde, c'est pas cette touche. Comment... C'est quoi déjà le truc? Ah là. Gay, la ramasse une flèche de glace. Ok, donc c'était ça. Afficher masqué le casque. Masqué durant les dialogues. Masqué en permanence. Non, pour l'instant, elle va le garder, et puis en fonction de la prochaine cinématique, on verra. Ok, donc on a encore les gobelins que toi t'avais vus. On a encore les gobelins qui sont de l'autre côté de la baraque, ceux qui étaient en train de discuter. Oui. Alors, peut-être même qu'on peut déjà les apercevoir. Alors là où toi t'entends... Ok, c'est près d'un moulin. Alors, ils sont au moins 5. 6. Ils sont 6, au moins. Niveau 3, niveau 2, niveau 1, niveau 2, niveau 1. Et il y a un worg. On commence peut-être plutôt du côté de la maison. Il y en a moins. Il y en a moins. Enfin, de ce qu'on voit, ça déjà. Ça reste à prouver. Et Astarion, lui, peut canarder d'en haut, ainsi que Gale. Mm-hmm. Oula. Attention, recule Gale. Gale, merde. Hein? Oh. Bah, c'est pas Gale qui se faisait choper. Ah. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ah. Hein? Quoi encore? Apparemment... Le garde m'a laissé passer. Ouais. Gitian qui intimidation, ouais. Elle a une maîtrise de l'intimidation, mais elle a moins un charisme, super. Persuasion, ouais. Ah, détection des pensées? Ok. Bon, probablement parce que Gale est actif. Et Illitid, sagesse. Reprenez-vous, voulez-vous? Adressez-vous à moi avec le respect qui m'est dû. Ben, je vais tenter de détecter ses pensées. Et je n'ai pas droit au bonus. Super. Je ne vois pas ton jet. 9 difficultés. Et forcément, j'ai fait 8. Et quoi? Ah non. Non, je vais pas relancer le dé pour ça. Stop that. Get out my head. Ah, ils s'en rendent compte. Je pense que si tu rates, ouais. Ah. Ok, ils ont... Oui, bah, ils attaquent Laizel. Ah. Mais les autres sont non. Pas en combat? Non, parce que les autres ont pas été détectés. Ok. Bah, mettons-nous en mode tour par tour pour les autres, déjà. Oui. Alors, Shao, lui, peut aller attaquer Kuya, Koupa, en bas. Bah, de toute façon, t'étais là pour ça, hein. Ouais. Combien ça a de points de vie, le guerrier gobelin, là? Hein, 19. Je vais attaquer celui qui attaque Laizel, avec Gale. Allez, Shao, go! Attends, mais il passe par où, le con? Ah! Bon. Est-ce que tu peux encore? Non.
Bah, est-ce que tu peux donner un coup de main à Lysel alors? Non, le mur me bloque. Et j'ai plus Et de t'as plus de mouvement. mouvement. Bon, bah, ce sera Astarion qui va aider à l'arc. Bah non, j'ai toujours Gale. Attends, il a. Bah, je crois que les deux seront nécessaires. Il a 19 PV quand même. Bah, je commence déjà une fois avec Astarion. Vas-y. Avec tes bonus, tu vas peut-être réussir à faire quelque chose. Bah, j'ai enlevé 10 PV. Et Attends, on n'est pas en tour par tour là? je peux réattaquer. Apparemment, je peux réattaquer. Alors, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre comment fonctionne. Comment ça fonctionne. Mais tu vois où est Gale? Oui. Au-dessus de rien? Ah, par contre, là, j'avais pas droit à mon attaque sournoise. Ah, quand même! Elle a touché quelque chose de nouveau! Et c'est apparemment vraiment que elle qui nous a gaulé, les autres n'ont absolument pas réagi. Alors, est-ce qu'on peut faire un saut en restant discret? Attends, laisse-moi déjà sauvegarder. A priori, non. Ah, si. Il se remet en position de discrétion, mais je suis pas sûr que. Attends, Astarion, je vais le. Voilà, je vais bouger près de Gale aussi. Et Shao, bah, je vais essayer de le refaire attaquer Koopa. Vas-y. Non, il veut pas passer par l'échelle, le con. Mais arrête-toi! Ah! Arrête, putain! Ah! Oui, bah il. Bon. Mais oh! C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Chez moi, il s'est arrêté au niveau de la porte. Oui, chez moi aussi, mais pourquoi est-ce qu'il est remonté? Parce que tu lui as demandé d'utiliser la l'échelle, non, peut-être? Je sais pas. Bon. Bon, en tout cas, je peux attaquer Koopa encore de là en haut avec Astarion. Donc ça va. Bah, attends, Koopa. J'allais dire Koopa, il y a Lazel et Shao qui pourraient s'en occuper. Mais Shao a fait le con. Et t'aurais pu tuer celui-là? Fin du tour. Waouh. Ouais. Ah! Ok, il s'est TP. Échec critique, ouf. Ouais, alors c'est le tour de Shao, mais il a absolument aucun mouvement. Super. Mais... Ah, mais Gale ayant déjà attaqué ce tour-ci, il ne peut pas retirer. Attends, foncer, je peux faire foncer? Par contre, Lysel Ah peut le non, prendre par derrière. foncer c'est une action, on fait chier. J'ai plus de mouvement pour sauter. Ouais, bah Shao ne fera rien ce tour-ci. Bah, j'ai le coup de pommeau qui fait D4 de dégâts, mais qui nécessite un repos court. Est-ce qu'on se repose après ce combat? Ouais. Ouais, un repos court, ouais, ce sera bien. Oui. Ah, mais fougue permet. Ça se recharge aussi après un repos court. Bon bah. Allez, un autre échec critique. Connasse. Ah, c'est vrai que je peux la transformer en berserk? En berserk? Oui? Non? J'ai pas mis ça?
C'est pas Carlac qui a ça? Parce que Ah mince, oui, c'est Carlac. Parce que Berserk, ça sonne comme du barbare, ça. Oui. Sort mineur de trans... Vous bénéficiez d'un avantage sur les tests d'intimidation et de représentation. Non, never mind. Pendant 10 tours. Alors, le gobelin, une fiole d'acide, une hache d'armes, un peu de thune. Swift as my feet can carry me. Mais putain ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il est ? Ah ! Mais il est passé par... par un endroit qui fait des dégâts. D'accord, et du coup ça a interrompu son, sa détection des pensées. Oui. Oh, champignon. C'est quoi ça? Tête, d'os, ingrédients. Combinaison 3 pour obtenir du vitriol. Poison rudimentaire, ok. Et un peu de vitriol. Mmh. Astarion, il est où? Ah, il est encore en haut. Attention, il va passer par les flammes. Une cuillère, une coupe... Ah bah ok, lui aussi il a pris le raccourci à la noix. Ah, ils sont débiles. Ouais. Ouais, faisons déjà un repos court, je dirais. Ouais, c'est vrai qu'on va pouvoir gagner la vie perdue. Hein? D'où il vient, lui? Je sais pas. As the symbol glows, power courses through you. Bon, alors, l'autorité de tout à l'heure, elle était pas super, hein. Ouais. Mais il y a quand même encore détection des pensées. Est-ce que t'as des parchemins sur toi? Non, mais je l'ai relancé. Ah! Attends, je vais peut-être te buffer. Choix du personnage. Shao. Ah, je peux pas... D'accord, là, je fais partie intégrante de la discussion. Je peux pas te buffer, là. Bah, normalement, peut-être que là, Laisel pourra aider Gale. Parce qu'avant, c'était peut-être elle-même ne pouvait pas s'aider, même si c'est bizarre. Mm. Bon. Oui, là, maintenant, j'ai droit à l'assistance. Ok. Degré de difficulté 9, donc il faut faire 5. 4. Non, 13. Et je ne vois à nouveau pas ton lancer de dés. Bah, j'ai fait 19 en tout. Ok. Avec les bonus. Ce ne sont pas ces droïdes là que vous recherchez. Les ex la cool douce et moi je me tape cette bande de demeurés. Je me suis joué de vos gardes. Si j'avais voulu du mal, j'aurais pu tous vous tuer. Mmh. C'est déjà fait. Ouais. Est-ce que je tente le... Je suis là pour voir Fezerk. Oui. Ou je tente une connerie. Ouais, allez, j'ai réussi le test de lecture de l'esprit. That effect. He's at the windmill mucking about. Wouldn't stray again if I were you. Ah, ça, non, attends, je ne fais que passer. Point d'inspiration, ok. on en est où en termes d'XP? Un peu plus de la moitié. C'est tout. Ah, ok, c'est là. Oui. Bah ils sont deux. On peut les tuer. Peut les tuer, exactement ma pensée. Mais où est-ce qu'on se garde, vu qu'ils sont deux, est-ce qu'on se garde le repos court pour après les avoir tués? Ouais, allez. Be on my way. Je juste pique inside le squelette. Alors un arc, un anneau et de l'or. Non, Gale, reste derrière.
Voilà. J'entends des voix. Oh putain. Hein? Des ogres. Trois. Ah. Ah oui, là. Ouh là là là. Lump l'éclairé niveau 4. Franck niveau 4 et Choc niveau 4. Ouais. Mmh. Niveau 4, on a vu ce que ça donnait. Tour par tour déjà? Ouais, apparemment. Attention, on clique en même temps. Ouais. Alors moi, je suis prêt à attaquer. Main principale. Vas-y. 1, 2, 3. Ah, toi, t'as fait un coup critique. Par contre, moi, ça suffit pas à tuer le mien. Bon, on est pas moi non plus. Il a 19 PV. On est assez de monde. Ou bien ? Parce que là, j'ai un truc... Ah non, je l'ai tué. Chez moi, il est en position debout et je peux lui parler. Ah. Bah, les deux, d'ailleurs. Ok. Je vais essayer de lui parler. Juste voir ce que ça va faire. Ouais. Un instant. Plus tard. Ouais. Bon, bah... Finissons-les. Alors j'ai eu une petite cinématique, on a trop foutu la merde. Ah. Voilà. Oh mon dieu. Alors de l'or, du poison. Une hache à deux mains. Et de l'or. Et maintenant je lance un repos court. Et moi, je vais regagner des sorts. Ouais. Voilà, je ne peux plus regagner de sorts dorénavant. Havre Lune, le panneau. C'est dit. Mm-hmm. Oui. Et là, il y a un terrier effondré. Est-ce qu'il y a du lapin dedans? Non, il y a que dalle. Ouais. Never wanted the easy path. Bon, allons voir les autres gobelins. Ah, une trappe en bois ici. Une trappe en bois? Ah, à l'intérieur. Oui, bah on n'a pas exploré l'intérieur ouais, en même temps. Alors, il y a plein d'ingrédients alchimiques apparemment là-dedans. Bon, prenons la trappe. D'abord, la boule de cristal. Ah merde, je suis descendu. Ouais, c'est bon, je l'ai prise. Une cave. Registre de soigneur, poison suspect, potion de guérison, élixir de résistance au poison. Ok, c'est une cave d'alchimiste. Il y aura peut-être des choses à repérer. Mmh. Un instant. Ah, ah, perception réussie. Je savais bien qu'il y avait quelque chose à repérer quelque part. Un levier. Hein ? Élixir de culture arcanique important confère un emplacement de sort supplémentaire de niveau 2. Ah. Et deux popos de guérison, ainsi qu'une potion de bon glorieux. Et c'est quoi le truc que tu as déverrouillé ? Levier. Repéré ? Ah là, ok. Attends, on peut pas faire ça, si. Oh, un passage secret. Mettons-nous en discrétion, on sait jamais. Time to press ahead. Peut-être y aurait-il des araignées mutantes qui se baladent. Oh, une tête d'os. Où est-ce qu'on est, là? Bah, derrière la maison. Allons, n'aie pas peur. Ouais. Y'a pas d'hippogriffe ici. Non, pas d'hippogriffe. D'ours. D'ours, je sais plus quoi. Voilà. Quoi? C'est toi qui as sauvegardé? Non. Ah.
Feu grégeois, casse-noisette, racle crotte. Quoi? Ah! Je pense que c'est des ingrédients. Il y a des cercueils, donc ça, ça sent le mort-vivant. A pour Azut et autres divinités, tome 2. Ah, et là, il y a un miroir orné, ici. Ah, alors. Ouais, des cercueils. Ça pue. Va parler à Astarion. Ah. Il sait peut-être quelque chose à propos de cet endroit. Parler. You're staring at me again. What do you want? Non. Bon, je vais essayer avec Laisel, au cas où. Elle est où? Elle est là. Il faut que je me relève. Ah non, moi j'ai fait clic droit parler. Hein. Ah. Ouais. Survie ratée. Oh. Survie ratée. Ah. Ah. Oui. Ah. Vive Laisel. Ouais, vive les quatre tentatives. Et encore un autre coffre. La richesse sous le sol. Déterrer 5 coffres. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des parchemins et un peu de thunes. Alors, parchemin de sphère enflammée. Parchemin de communication avec les morts. Parchemin de protection contre l'énergie. La sphère enflammée, ça me déplairait pas. Ouais, bah Gale. Communication avec les morts, allez, on va envoyer ça à Starion. Combien ça coûte pour la prendre? Et 100 pièces d'or. Et protection contre l'énergie, c'est quoi? Toucher une créature pour lui conférer une résistance aux dégâts d'acide, de froid, de feu, de foudre ou de tonnerre. D'accord. Ouais, je te l'envoie aussi. Mais pourquoi il me range pas mes ingrédients automatiquement? C'est pas un sort d'évocation, ce parchemin de feu? Attends, sphère enflammée. Ouais, c'est pas décrit là. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est pas très grave. Ouais. On se risque à ouvrir un des cercueils? Oui. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Ah. Surprise, motherfucker. Il va où le con? Ah, il ouvre. Il ouvre les autres. Ah putain. Désolé, je l'ai attaqué juste pour qu'il s'arrête. Ah mais il continue? Non? Non, il y a d'autres. Oh putain. Ouh là là là. Fou. Laisel n'est pas en combat. Malheureusement, il y a tous les angles qui sont observés. Ah mais j'ai quand même un bonus. Donc j'ai un avantage, je vais en profiter. D'accord. Non, c'est Astarion qui va le finir celui-là. J'ai fait un repos court avant. Le repos court te redonne des charges? Mes slots de sort d'occultiste. Bon, ça va d'abord bouffer mes slots de sort de paladin. Mais je pourrais. Non, je vais garder ça pour Astarion. C'est lui qui va le finir. En espérant qu'il rate pas. Raté, évidemment. Putain de merde. Elle aussi.
Et Gail ayant déjà agi. Still breathing, despite everything. Bon. Ouf. Ah merde, il monte. Ouais. C'est pas bien. Ah. Oh oh. Oh non. Ah. Bon, ça ah va. Non, ça va. Il l'a pas atteint. Ouf. 8 et 14... 14 et 8. Ah. Piégeage okay. De projectile. Ouais. Ah, c'est vrai que t'as un item qui te permet de réduire les dégâts des projectiles. C'est vrai, c'est elle qui le possède. Au corps à corps. Et il reste un PV à Shao. Sublime. Mm-hmm. Zegler. Alors déjà, marque du chasseur. Ouais, 10 points d'XP. On the way. 60% de chance. Ouais, bon. Gardien robuste niveau 3. Et ensuite, c'est à qui d'agir? C'est à l'agile en haut. Il va à tous les coups cibler Shao vu qu'il lui reste un PV. Ouais, il y a des chances. Ou il va peut-être essayer de viser Gail. Non. Ah. Zaza non, c'est compliqué, ya yeah. Oh. Ah, 10. Mm-hmm. Ça va. Des fois, elle est capable de faire quelque chose. Bon, moi, je peux rien faire, je suis à l'agonie. Bah, t'as... Astarion. Oui, mais c'est mort à son prochain tour. Oui, mais normalement, là... Ah, attaque d'opportunité. Ah, oh, coup critique. Ouais, excellent. Ah, ouais. Coup critique. Moi, excellent. Bon, bah... Tu sauves Shao, je sauve Gail. Super. Attends, on va plonger, sauter. On my way. Essayer de tuer celui qui est déjà un peu endommagé. Ouf! Échec critique! Alléluia! Ouais. Je pensais qu'il était planqué, Gail, ici. Alors déjà, je vais boire une popo. Quoique, ça rend que 4 à 10 PV et ça rend pas énorme. Ouais, je vais redonner à Gail des points de vie aussi. Ah merde, c'est à elle-même qu'elle se donne. Ah, je me suis planté. Bon bah... Alors, avant de m'engager où que ce soit, je vais foutre Shao derrière le pilier. J'ai mis Laisel un petit peu plus en avant pour essayer qu'elle soit prise en pour cible. Bon, il redescend, c'est... Ah, double coup critique, mais ils font... Qu'est-ce qui... Que quoi?
C'est qui a la marque du chasseur? C'est celui qui est là en bas. Oui. Attends, avec l'arc, je fais 4 à 9. 4 à... Je vais peut-être plutôt y aller au cac, comme ça au moins s'il veut se barrer, il se prend une attaque d'opportunité. Ouais. Ouais. Attends, la marque du chasseur, elle a... frappé avec une arme. Elle est... Ils étaient où les dégâts de la marque du chasseur, là? Je sais pas, t'as peut-être... Attends. Subis 7 points de dégâts. 3 de base, plus 3 modificateur dextérité, et plus 1 du 1d6. Ok. Et de marque de chasseur. Gail, debout. Perception divine pour assurer... enfin, plutôt mieux assurer des dégâts. Perception divine. Ah, bénédiction des ténèbres, ça me sera utile. Bon, vu les dégâts qu'ils font... Mmh. Ouais, bah, de toute façon... Gail est en mode passif. Puisqu'il a pas d'action. Échec critique. Oui. Allez, va là en haut, tu vas servir de distraction, voilà. Ah ah, toi aussi. Il reste 9 PV. Ouais. Laisel, si jamais elle arrive à toucher, je sais pas si elle le fera les 9. Uh-huh. Elle fait de 4, 3 à 13, je crois. Je vais utiliser mon châtiment divin. Vas-y. 14. Oh purée. Repos court. Pourquoi? Moi je dirais repos long. Alors, il avait un arc long. Tiens. Laisel, tu portes quoi comme arc? Un arc long. Let's have a look. Un arc long? Oui. Ah, mais Astarion a encore un arc court. Ah, bah là, il y en a un. Bah, je l'envoie à Astarion. Comme ça, ça lui fera un peu plus de dégâts. Bah, je passe de 4 à 9 à 4 à 11. Mm. C'est toujours ça. No one stopped me yet. Something good here. Ah mais il y a encore des coffres, il y a encore des trucs qui sont fermés. Oui. Oh, et cela sera pour le prochain épisode. Oh non. Ah que si. Celui-ci a déjà bien assez duré et suffisamment. On est suffisamment empêtré dans un bon nombre de merdiers pour laisser nos viewers ici. C'est quoi ça? Épée courte, je l'envoie à Laisel, bah, je crois qu'elle a assez d'armes à une main maintenant, comme ça, des armes légères. Ouais, mais il faut aussi qu'elle soit finesse. Oui. Je crois. Oui, les épées courtes, c'est... Ou c'est légère. Quoique finesse, je crois que ça te permet d'utiliser la dex plutôt de la force. Ouais. Si c'est plus élevé, je crois que tu peux choisir. Mmh. Oui. Est-ce qu'il y a encore un cadavre quelque part? Stop, ça suffit! Couchez. Non, un cadavre qu'on n'avait pas encore looté, je veux dire. Apparemment, c'est bon. Ouais. Oh putain. Il y a eu de l'action pendant cet épisode. Un petit peu. Des erreurs et des morts. Ouais. Et si vous voulez connaître le contenu des autres coffres, n'hésitez pas à nous rejoindre au prochain épisode. À la prochaine. Bye bye. Bye.